Hello à tous, c'est Lego Paracon Trooper BXL. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mock on Kashyyyk, spécial concours pour le concours de ZXP Studio. Et Alan M. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Donc cette mock était faite sur 12 plaques de taille 32 x 32, je pense. Les grises, les vertes. Du coup, c'est un mock sur Kashyyyk, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mis en scène un assaut d'un avant d'un comment j'appelle ça? Un poste d'artillerie droïde, ouais, on va dire ça. Du coup je sais pas si d'ailleurs vous entendez la musique. Ouais, d'ailleurs la musique. Du coup, j'ai mis en scène aussi deux canonnières, donc deux Republican Ship version 2008, donc le Clone Wars un peu custom. Un turbo tank, donc vous voyez voir celle-là, c'est la spéciale 212e. Quelques briques orange devant. Ouais, pas tellement custom. Celle-ci, c'est celle de la 501e. Enfin, on les différencie avec l'avant, vous verrez sur la prochaine photo. Donc vous voyez, celle-là, on voit bien le truc de la 212e. Avec Headcode dedans et Capitaine Locke custom pour Alan Hatt. Petit clin d'œil. Avec mes Arf Trooper Custom aussi. Ça, c'est le 41e Elite Bataillon, si je me trompe pas. Donc, qui se prépare à descendre. Ici, on peut voir Headcote et Capitaine Locke, donc Custom. Donc, c'était vraiment. À la base, c'était un sergent du commandant Gris. Mais j'ai préféré faire Capitaine Locke, donc avec un feutre. La visière aussi Custom. Ici, on a la deuxième canonnière, donc on peut voir sur le côté à gauche, au-dessus de la 501e, un officier impérial. Donc on voit ici de plus près, qui est en train de vérifier le champ de bataille pour voir comment placer ses troupes. Un Kashyyyk Trooper de nouvelle édition, donc 2013, ouais, 2014 plutôt. Ici, on voit un autre Kashyyyk Trooper, un Scout Trooper plutôt, qui saute dans l'eau. On verra après pourquoi. Ici, on a un turbo tank, enfin le turbo tank version 2008 aussi. Et si je l'ai mis dans ce sens-là, c'est parce que j'ai lu en fait que le turbo tank se conduit en fait dans les deux sens. Et il y avait même un problème dans le turbo tank où il disait ça. Donc on peut le faire dans les deux sens, c'est assez sympa. Moi, je préfère ce sens-là parce que personnellement, la cabine est. Enfin, le corps du turbo tank est moins exposé en cas de tir de roquette dans la cabine. Ici, on peut voir des Scout Troopers. Donc là-bas, en arrière-plan, le RTTT. C'est une prise de vue avec le canon, un canon storage, je pense. Ici, donc, on a ma petite mitrailleuse, on va dire, custom, avec un gunner custom aussi. Donc, je lui ai fait des petites traces de guerre, sympa. Ici, on a deux Kashyyyk Troopers, donc avec un qui tire un lance-roquette. Vous verrez sur quoi il tire dans 3-4 photos. Donc ces customs là, ouais bon, ils sont vraiment très très classe. On a acheté plusieurs battle packs. Ouais, je les adore vraiment. Un custom bazooka, ouais. Donc là, on peut voir qu'il a tiré. Le détail est aussi très important sur la verdure. Si vous regardez bien, il y a beaucoup d'herbes. J'ai acheté plusieurs sticks. Donc il tire en fait sur le tank droïde. Qui lui-même va tirer sur les renforts au sol. Donc ici j'ai mis en scène le droïde araignée nain et énormément de droïdes avec des palmiers aussi. Je trouvais assez classe et bien fait parce qu'on était sur une plage là, donc c'était plutôt intéressant. Donc voilà là on arrive aussi plus loin, c'est le tank et les deux canons. Donc ici on peut voir deux Kashyyyk Troopers qui sont dans l'eau. Donc c'est pour ça que l'autre sautait dans l'eau dans les anciennes vidéos, dans les anciennes photos. Donc ils plongent dans l'eau pour débarquer parce qu'ils peuvent pas atterrir. Là on a trois Swamp Speeders dont un a été explosé par le tank justement. Et un autre 41e Elite Trooper. Donc ici on peut voir leur objectif, donc les deux canons à proton qui se préparent à tirer sur les canonnières et sur les autres positions. Là on peut voir mon custom Kashyyyk Trooper. On va dire, ça fait longtemps. Et la TRT et quelques clones. Donc
Donc là, on voit un autre clone en mode PGM avec sa mitrailleuse. Assez classe quand même, ces clones aussi. Ouais, j'aime bien leur visière, enfin, on va dire visière, ouais, les détails de couleur de vitre de leur casque sont assez classe. Donc ici maintenant, on a Chewbacca, enfin l'ancienne version, avec une hache et une arbalète en mode gros bourrin. C'était vraiment. J'ai trouvé cette hache et je me suis dit, ici pour lui. Là, on a deux Bark Speeders qui foncent dans le tas. Je sais pas si on voit dans cette photo-ci. Ouais, on voit un petit bout en fait en bas à gauche du commando droïde Speeder. Ici, on a le commandant droïde qui a été pris pour cible par un Death Trooper dans la canonnière au début. Je sais, ça fait bizarre, on peut pas s'en souvenir tout de suite. Donc ici on a le super droïde de combat, enfin le su droïde commando, commandant plutôt. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Je voulais dire merci pour le concours à ZXP Studio et à Alan M. Vraiment, ça fait plaisir. Et ça, c'est un petit avant-goût de ma base pour le concours de Mr. Fox 77. Ouais, parce que je suis bête, c'est pas la même chose. Et rien que pour les yeux, donc toujours en préparation. Elle est assez grande quand même, deux étages, comme vous pouvez le voir. Et j'espère que ça va le faire, quoi. Donc merci d'avoir regardé, abonnez-vous, lâchez un like, faites comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A plus et merci de vous être abonné, les gars. Salut!